décédé, je crois que M. Outo va s'exprimer en cantonais. Monsieur va le traduire en anglais et moi je vais vous le traduire en français. Et alors, allez-y. Entre des films comme Breaking News et Mad Detective, il y a une énorme, énorme différence. Il y a parfois dans sa figure monographique extrêmement abondante, des films où il va plus loin, où il frôle un côté beaucoup plus axé sur l'abstraction, sur la perte des codes, par rapport à d'autres films. PTU, c'est pas Breaking News. Comme je vous l'ai déjà dit, j'aime faire tout moi-même, faire les films que j'aime. Et lorsque j'ai fait un film qui est un classique, je n'aime pas me répéter. C'est pour cela que je vais vers d'autres espaces pour un peu me renouveler. C'est une recherche. Pour moi, c'est une recherche. C'est faire quelque chose de nouveau, mais qui est aussi important pour moi. Je prends mes idées simplement dans la vie de tous les jours, en lisant un livre, en regardant un film, en parlant avec mes amis, et l'idée germe de là. Je voudrais poser une question quant à la chorégraphie, notamment dans ce dernier film, qui est plus importante encore que dans d'autres. Spare. Oui, celui-là, Spare, pardon. Et est-ce qu'il a travaillé uniquement, on va dire, avec des pick-pop pour mettre au point cette chorégraphie ou avec des vrais professionnels de la danse? Nous avons travaillé avec des vrais pickpockets de Hong Kong qui nous ont montré leur vraie technique. Dans ces scènes où il y a beaucoup de chorégraphie, ce que je voulais voir, vraiment montrer, c'est ce qu'il y a capturé, c'est cette nostalgique ambiance de Hong Kong. C'est le Hong Kong de mon enfance et je me suis aussi inspiré du film des parapluies turcs. Pourquoi ce besoin de réaliser ou produire 2, 3, 4 films par an? Est-ce qu'il fait autre chose que du cinéma? Ma passion pour le cinéma pendant ces 10 dernières années s'est intensifiée jour après jour. Je me sens très en forme, je suis très actif en ce moment, donc je veux en faire le maximum. Parce qu'un jour, inévitablement, je vais ralentir et mon inspiration ne sera pas ce qu'elle est maintenant. Mais est-ce que cette accélération de la production, ce côté très prolifique de sa carrière correspond à l'établissement de sa propre société de production, à la mise en place d'un mode de production qui lui serait vraiment personnel? Bien sûr, il y a un parallèle entre ma carrière et la société Milkway, avec mon partenaire dont je n'ai plus le nom. Nous voulions créer une société, bien évidemment, pendant les 10 dernières années. Nous avons fait des films commerciaux et aussi expérimentaux, mais commerciaux pour financer notre propre société. Mais le but de cette société, c'est pour permettre à des gens comme moi à Hong Kong de faire des films plus originaux. Entre Mad Detective et Sparrows, il y a pratiquement plus 6 semaines d'écart. Mm-hmm. C'est extrêmement court. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un risque d'arriver à saturer le marché? Bon, mon travail, c'est de me centrer sur les films et la production. Et après, lorsque le film est terminé, il ne m'appartient plus. C'est difficile de les gérer une fois qu'ils sont terminés. Ça n'est plus mon rôle. Je veux revenir aux deux facettes du cinéma de M. Mm-hmm. Tour, entre commercial et l'expérimental.
À l'inverse, est-ce que pour lui, il y a des points communs entre un film comme Breaking News et Election, Exilé au Sparrow? Qu'est-ce qu'il y aurait de commun entre ces films-là? Les deux films que vous avez mentionnés n'ont pas vraiment de points communs. Okay. Parce que quand je fais un film, j'aime savoir et je sais quel genre de film je veux faire. Est-ce que c'est un film personnel, une création personnelle ou c'est un film commercial? Une fois que l'on a décidé, on peut difficilement emporter des éléments d'un genre vers l'autre. Dès que l'on a décidé l'objectif du film, on sait exactement les éléments qui vont venir dans ce film et les autres ne viendront pas. C'est évident parce que mes films commerciaux sont basés sur Hong Kong et la culture locale de Hong Kong. Il y a beaucoup de dialogues pour les comédies et vous savez, dans mes films personnels, je n'aime pas beaucoup les dialogues. Est-ce qu'il y a une chance que ces plus anciens films soient un jour distribués en France rétrospectivement, comme ça a été le cas par exemple pour le coréen Kim Ki-duk, où on a pu voir des films qui étaient sortis à 6, 7, 8, 10 ans en Corée? Il y a une trentaine de films à la Cinémathèque en France que M. Cho a produit, il y a déjà pas mal de choses disponibles en France. Dans le dossier de presse de ce film-là, de Spiro, vous dites que le film est aussi une façon de montrer Hong Kong tel qu'il ne sera plus dans quelques années. Donc, est-ce que c'est un film que vous pouvez considérer comme un film politique par rapport à la politique du gouvernement chinois actuel qui détruit les centres-villes anciens de ces grandes villes? Je ne dirais pas que ce film est politique, mais tout de même, il parle de ma déception envers le gouvernement de Hong Kong, pas le gouvernement chinois, mais de Hong Kong. Le gouvernement de Hong Kong est incapable et incompétent en ce qui concerne la préservation de la culture et de l'histoire de Hong Kong. Ils détruisent beaucoup de choses et aussi détruisent la mémoire collective. C'est pour ça que moi, j'aimerais garder mes souvenirs d'Hong Kong tel qu'il était auparavant. Mais est-ce que cette envie de garder la mémoire, de soutenir la mémoire, s'accorde à son avis avec une dimension un peu, une certaine élégie qui me semble un peu de plus en plus présente dans ces films récents? Ce que vous venez de dire est vrai, parce que je suis née à Hong Kong et j'ai grandi à Hong Kong et Hong Kong m'a construit. Ça m'a influencé moi et aussi les gens de Hong Kong et la façon dont ils vivent. Et tous ces changements, même s'ils sont légers, subtils, toutes ces destructions, par exemple, ça influence les personnes qui vivent à Hong Kong, ne serait-ce qu'inconsciemment. Par exemple, un client, la partie médiévale je suppose qu'on parle de Renaissance, était détruite, ça affecterait, ça influencerait les gens qui habitent ici. Monsieur Johnson a parlé tout à l'heure des parapluies de Cherbourg. Mm-hmm. Est-ce que le cinéma français et les cinéastes français lui ont donné envie de faire du cinéma? Quand j'étais enfant dans les années 60 et 70, je voyais beaucoup de films européens. J'ai vu beaucoup à l'intérieur donc quand j'étais enfant. Okay. Les films français étaient populaires dans les années 60 et 70 à Hong Kong, mais après ce sont les films américains qui ont pris le relais. Bien sûr, ces films m'ont influencé, mais mon préféré, c'est Curaçao. À l'inverse, là il vient de parler de ses influences, à l'inverse, ça fait une trentaine d'années qu'il fait des films maintenant, bon, l'heure du bilan n'est pas encore venue puisqu'il produit encore beaucoup, mais est-ce qu'il peut d'ores et déjà
nous donner une idée de l'influence qu'il a eue sur le cinéma asiatique et en particulier sur les jeunes générations de cinéastes. Je ne peux pas dire que mon travail a influencé des jeunes cinéastes. Ce que je peux dire simplement, ce sont les jeunes metteurs en scène qui travaillent dans ma société. Je les ai influencés, ils ont quelque part un peu adopté mon style. Pour revenir sur la question du rapport au cinéma européen, à une époque on a parlé d'un projet de remake de Melville, je crois, du Cercle Rouge, et peut-être avec Alain Delon, où est-ce qu'on en est de ce projet? Comme vous le savez, je suis un fan d'Alain Delon et s'il y a un projet sur lequel on peut travailler ensemble, mais ce ne sera pas un remake. En ce qui concerne le remake du Cercle Rouge, si tout va bien, on le filmera cette année. Est-ce que les États-Unis l'ont approché? Puisque beaucoup de cinéastes de Hong Kong font leur premier film aussi aux États-Unis, est-ce que c'est d'actualité? C'est une question qu'on me posera souvent, mais pour l'instant, je dois répondre que je préfère faire des films à Hong Kong. Le monde américain lui paraît trop commercial. La première chose, c'est que le système américain n'est pas quelque chose que je comprends bien et j'ai du mal à m'y habituer. Mon anglais n'est pas à la hauteur. Il disait qu'il était un fan de Delon des années 60-70, parce que c'est un fan de Delon des années 80-90. C'est quelqu'un que j'ai toujours aimé et je l'aime toujours. Peut-être un jour il viendra faire un film avec moi. J'aurais voulu savoir quelle était pour lui l'importance dans son œuvre des deux volets de Election 1 et Election 2. On a souvent comparé ça avec Le Parrain de Coppola. Et donc la question qui vient derrière, c'est est-ce qu'il y aurait un jour un Election 3 à 10 ou 15 ans d'écart après le deuxième volet? J'aime beaucoup Coppola et j'aime beaucoup ses films, mais lorsque j'ai commencé de faire mes films Election, j'ai dit à mon équipe qu'il n'était pas question de faire le Parrain à Hong Kong. Mon objectif à moi, c'était de raconter l'histoire qui n'est pas souvent racontée, c'est-à-dire l'histoire des gangsters, des bandits d'Hong Kong, et surtout à la période où Hong Kong est revenue chinoise. Il y avait à Hong Kong 1,5 million de gangsters sur une population de 6 millions d'habitants. Et leur activité est très importante dans la vie de Hong Kong. L'objectif de l'élection 1 et 2, ça n'était pas de faire une histoire et de la poursuivre dans l'élection 2, c'était de raconter l'histoire de Hong Kong. Donc si je fais un troisième, ce sera au moins dans 10 ans. C'est-à-dire qu'il faudra que quelque chose d'intéressant arrive dans la vie de Hong Kong qui justifie un troisième volet. Et pour terminer sur cette question entre Election 1 et Election 2, je voulais savoir qu'est-ce qui avait motivé le changement stylistique très marquant entre les deux films d'un polar assez traditionnel à quelque chose que moi je considère comme une sorte d'opéra du gangstérisme. En ce qui concerne l'élection 1, le style est plus traditionnel et aussi les gangsters que l'on voit dans ce film ce sont des gangsters du passé. Pour le deuxième, ce sont vraiment des gangsters actuels. Et c'est quelque chose qui est encore en train de se développer maintenant. C'est pour ça que le style est très différent. Est-ce qu'il s'identifie à ces personnages? Est-ce que dans son cinéma, il y a un processus d'identification? On dit souvent que dans ses films, on met sa philosophie personnelle. Et pour moi, ma philosophie personnelle, si je puis dire, elle est très, très gaie, très joyeuse. Et c'est le genre d'individu que je suis.